كنا هدرنا على لو روتور تاع الانسبكتور تاع العرب دونك لا لا نوفيل هذه دارت شويه في لي ميديا ديرنييرمون دونك على بالنا بلي كاين ان بروجي ان توكا باش يعاودوا الانسبكتور طاهر على الشاشات الجزائريه مي ابخي فوالا حنا على بالنا بلي الجزائريين كامل عندهم اون ايماج ولا عندهم صوره على لو بيرسوناج تاع الانسبكتور طاهر قعد معهم بوندون دي زاني بوندون دي جينيراسيون ايتترا دونك انا حابين نعرفوا ان تي بو بلوس دو ديتاي على واش راه رايح يكون الشكل تاع هاد لا نوفيل سيري ولا تاع هاد لو نوفو بيرسوناج اسكو سافا اتر ان نوفو بيرسوناج انا راح نخلي واش راح نغارديو دونك هادشي كاع رايحين نقصروا عليه بيان سور مع المنتج والمخرج تاع هذا المشروع اللي هو يحيى مزاحم اون فو لو بريزونت بلو نورمالمون بيسكو يحيى مزاحم باسي لو رياليزاتور تاع بلوزيور كور ميتراج تاع لو كو برودكتور ايضا تاع بلوزيور لون ميتراج نهضروا بيان سور على لو باسي تاعو في لا سيت كوم بيسكو بالك لا نوفيل جينيراسيون ولا لي ديرني تي لي سبيكتاتور يعرفوا تيموشا لي سيزون 1 و 2 اللي كنا تبعناهم على التلفزيون الجزائريه ايغالمون لو بروجي تاع لو لون ميتراج اللي هو يد مريم مع لي انفلونسور ان توكا ولا الناس اللي يديروا ولا اللي كريو دو كونتوني على مواقع التواصل الاجتماعي دونك هذا الشيء كاع يحيى مزاحم سي كوميم فوالا اوجوردي لون دي بيرسون اللي راهي تسيي تجدد التلفزيون الجزائري اللي راهي تسيي تجدد السينما الجزائري وثانيك اللي راهي تزيد تحاول تفتح طريق الجزائريين نحو قاعات السينما دونك اليوم يحيى مزاحم صباح الخير مرحبا بك هنايا في جو راديو صباح الخير يعطيكم الصحة على الانفيتاسيون اسمح لي فلوف روك صباح رانا صباح سي تو دونك مرحبا بك انايا في جو صباح دونك على بالنا باللي سورتو ان سو مومون لي نوي راهم طوال الخدمه راهي طول دونك بروبابلومون حتى 2h 3h دي ماتان دونك سي توت افي نورمال ان تكون لا فوا شويه مخلوقه صباح اكزاكتومون كنا نخدموا البارح مع حكيم باسكو سي ان ترافاي دو ريشيرش كونتيني شاك جور اون دوا تروفي دي زيدي بلوس باسكو تعرف شوف رمضان سي لو مومون يعني لازم نخدموا شغل سيري تكون ديفيرونت تكون فيها une nouvelle vision à chaque fois, faire un renouvellement par rapport au chemin de Finindero. Et là, on est en train de changer, mais d'ajouter à chaque fois des épices, ma hakim, par rapport au scénario, la hakim au kulio. Et la hakim à peu près comment ça a commencé, peut-être les scénarios. Alors, chauffe, en fait, hakim, c'est quelqu'un qui est très fan de l'inspecteur Tahar. Il a toujours voulu faire des vidéos avec l'inspecteur. Et après, il m'a dit pourquoi on ne peut pas faire une série avec l'inspecteur Tahar en Hollande. Ok, why not? On doit réfléchir. Il m'a envoyé des scénarios. C'était très drôle. Alors, on va faire un teaser. On s'est lancé un œil. Et on est parti pour faire un teaser. On a fait quelques séquences comme ça pour se tester déjà et voir si on n'est pas ridicule, si on ne va pas casser l'image de l'inspecteur parce que c'est très important. Parce que pour nous, l'inspecteur Tahar, c'est une icône, les populaires, les cadres, par exemple, le conscient, tu as Bzaf, le subconscient surtout, tu as Bzaf Nas, même la nouvelle génération, même à la fois, je fais des vidéos, tu as l'inspecteur. Bien sûr. Mais les gens qui ont Bzaf, qui ont Nas, qui ont du Kachoui Akbar, on va dire, qui ont l'inspecteur Hadja Kibera, on ne peut pas faire une joue parce qu'il y a des essais de l'Omerkabel, ou Makalouch Rizi. Et on va parler de ça, même Hadia, la série. Et la série, je ne sais pas juste parce qu'on veut faire une série, parce que ce n'est pas le but d'une série. C'est juste aussi parce que l'inspecteur Tahar, c'est un personnage qui a mis dans le cinéma, qui a mis une influence énorme au cinéma. Et je pense que c'était le film. Et on va dire le plus grand succès fait le box office algérien le kikent lourd qui gagne les cinémas avec le lourd ou quand on a trois les salles de cinéma de comme mazal inchallah tout le calme inchallah et habina nous rejoignons had l'énergie en fait on cherche à travers le chemin de mou c'est une stratégie de travail des chemins de mou aller soit à travers Yed Marim ou à travers des moucha ou c'est l'humour populaire algérien l'identité les séries, le truc, on a une identité, une touche algérienne, très algérienne même. Il a remarqué le même Frémocha, le Fsab, tout ce que je fais, c'est très algérien. Et là, c'est la même chose. C'est dire, had la culture algérienne qui est à travers l'inspecteur, qui va partir dans un autre pays, parce qu'on s'est inspiré aussi de l'inspecteur qui est là, la Tunis. Oui. Et là, on s'est dit, pourquoi Mebid Dlchblad à chaque fois? En fait, pourquoi la culture algérienne a dit, ما تروحش
elle va voyager avec l'inspecteur. Elle va rencontrer d'autres cultures et comme ça, même nous, pour Formdan, au lieu de rester toujours, on va faire voyager le spectateur et lui donner une énergie très positive. Mm. C'est le but, aérer le hala. Et comme par exemple, on a un coup qui m'a fait en Hollande, comme dire des stories, juste je marche 15 km par jour, c'était bien. Repérage? Non, pas du tout. Juste pour le plaisir. C'est-à-dire, c'est ça le hayat. Le hayat, c'est qu'on doit vivre du plaisir aussi. Parce qu'on a besoin de muscles, on a un jour. Et là, tu te dis, ok, sans aucune raison particulière. Mais je laisse que le hadji dira avec un but. D'accord. Je laisse me dire hadji parce que la belle laisse me ne le bâche pas. Non. Des fois, dire mais tu le bâches. Qui m'a lâché le film de Ready Player One, par exemple. Non. Ouais. T'as Spielberg. Alors, le film de Ready Player One. Alors, dans le film, fait le jeu, il connaît la bouffe. En fait, à la fin, il a bouffé Atari. D'accord. Et le but à le jeu, c'était pas de gagner le jeu. Le but à le jeu, c'est de découvrir le petit point derrière le jeu. D'accord. Et c'était d'explorer le jeu. C'était de mettre le jeu. Et ça, ce qu'on veut, quand on a le mouta. On a le côté de ouais, une série qui m'a dit, salam alaikum, on a fait l'audimat ou concurrence. Non. On a le mouta. On a du plaisir. C'est ça le but. On fait ça par plaisir, pas autre chose. C'est un projet, on va gagner de l'argent ou là, non. Le projet de l'Hajj Loula, c'est dans le plaisir. Et c'est pour ça qu'on est parti pour ça. Yani, au final, le projet Hadaya, il est fait pour durer même après la saison Hadaya. Yani, pour entretenir un personnage, qui est présent dans le terrain de l'Algérie, ou la pop culture algérienne, depuis très longtemps au final. Parce que le personnage d'un inspecteur Tahar, très rapidement, mort l'indépendance. Donc au final, il faut que ça soit le premier film d'un inspecteur Tahar de Moussa Haddad. Il y a eu d'autres versions. Donc la grande question aussi, c'est est-ce que l'humour ou l'esprit de l'humour de l'inspecteur Tahar va changer dans la nouvelle version? Parce que nous avons dit que ce qui a fait le succès de l'inspecteur Tahar, c'est aussi le fait qu'il soit un humour un peu corrosif, il a joué à l'état, il a joué à certaines choses qui m'a aidé. C'est ça que je veux dire, l'humour algérien, qui chauffe Timoucha par exemple, la façon qu'il t'a dans le mannas. C'est l'humour algérien, elle est dure, elle est pas. C'est un humour assez. Pas noir, c'est pas comme l'humour anglais, mais c'est un humour à nous. Et je pense que l'inspecteur Tahar représente l'humour algérien à son sur la perfection qui m'aime. Et c'est ce qu'on cherche en fait, à représenter de l'humour sans le, je sais pas, copier l'inspecteur. Exact. Mais lui donner une autre dimension, je dis par rapport à l'actualité de la NFA, par rapport à la culture. Pour nous, c'est l'inspiration, mais c'est pas la copie. On va faire, bien sûr, on va rester dans l'humour de l'inspecteur, on va pas le changer. Oui. Parce que c'est grâce à lui qu'on, c'est lui qui a fait il a créé tout ça et je pense on va s'inspirer de ça mais lui donner une autre vie actuelle par rapport aux jeunes tadouk et surtout pour rendre hommage à l'inspecteur parce que Habina que comme on est fan un peu comme tout le monde beaucoup de gens surtout les flages ou la Ktarmani ou là on a vu l'inspecteur pendant très longtemps des films pas que les extraits tu vois. Et on est resté fait du côté nostalgique. Alors c'est, on va rendre un peu la nostalgie le truc. Et pour les jeunes, ça va donner quelque chose de, à ce que je dis, une nouvelle référence d'humour, de comédie très algérienne. Parce que à mon avis, qui nous fait une série, c'est pas pour, par exemple, une série à l'américaine ou là, c'est pas le but. Le but là, c'est rendre la culture algérienne, la propager. Et à travers l'inspecteur, on a besoin de propager la culture parce que là, c'est il va nous parce que Marouf le personnage les gens vont le voir quand les gens vont découvrir est-ce que ça va être comme l'inspecteur ou pas et tout parce qu'il y a beaucoup de versions leader qui bien sûr et ça c'est on a travaillé sur ça la série Nam Hakim en fait on a quelle histoire qui est très belle c'est en fait c'est un homme qui travaille dans le théâtre c'est un acteur raté il a jamais dit l'inspecteur dans sa vie mais il n'a jamais fait manjash ni le copier d'inspecteur ni jouer des rôles il travaille comme un petit régisseur fait le théâtre il a des rêves frustrés il est frustré dans sa vie mais communiquer avec ma famille tout il est en dépression presque tout le temps et il vit une dépression cachée mais une dépression et là, son fils va ramener un jeu VR
t'as l'inspecteur. D'accord. Et t'as fait, c'est comme le mektoub, en fait. C'est le mektoub t'as qui est déjà beau. C'est quelque chose qui est le destin. C'est quelque chose de magique, quelque part. Des fois, on parle de mektoub t'as un arf. Et had le jeu t'as l'inspecteur, il va rendre ça, en fin de compte, la relation entre le père et le fils. Et on découvre que le baba qui est un fan, qui a des spectateurs à l'inspecteur, mais il n'a pas réussi. Il y a un vidéo pendant les spectacles, il dit ma'a et tout, mais il ne se souvient pas. Il y a des images de l'inconscient. Justement, c'est travailler l'inconscient. Et l'inconscient, c'est le public algérien aussi. C'est l'inconscient, c'est le jeune qui va redécouvrir d'une autre façon l'inspecteur. C'est comme l'histoire, comme la réalité, comme la série. Les gens vont redécouvrir l'inspecteur dans un autre univers. Alors, on n'a pas voulu travailler l'Algérie parce que on ne pourra jamais égaler l'inspecteur. Alors, on a voulu changer de décor, changer, donner plus d'air et aussi aérer la série. Parce qu'en tout cas, tu voyages un peu, tu fais un univers, je touche déjà, tu fais dans un espace autre, des gens autres, et tu fais d'autres cultures. Et comment la culture algérienne peut s'adapter bien, très facilement à d'autres cultures que normal. Elle dit à peu près l'énergie dans la série. Mais tu sais, il y a un détail qui est le plus important, c'est est-ce que l'accent de l'inspecteur Tahraoui est à la hirade? Bien sûr, c'est très important. L'accent de l'inspecteur, ça fait partie de son identité. Jijli, sur le pur. Oui. Alors, même Hakim, on les travaille sur déjà un. Et là, il va retravailler encore beaucoup plus pour travailler à la perfection l'accent de l'inspecteur. Parce que le Hajj Abdelrahman, il était originaire de Jijl à la base. Non, je pense qu'il était kabyle, je pense. Je crois qu'il est originaire de Jijl. Hein? Je crois qu'il est malak, je crois. Tout le monde a le fait au Khalmani. Malak. Hakim Khalil, Hakim qui est fan. D'accord. En tout cas, donc l'inspecteur. Il était directeur photo. Il était directeur photo. Il était pas. C'est quelqu'un qui était technicien cinéma. Oui, après, il a pris le personnage. Oui. Pour rigoler, ça a donné quelque chose d'énorme. Et aussi, il y a l'apprenti, Mme Serge l'apprenti, qui va être joué par le Fadel Hassoul, qui est un acteur excellent. On a un coach l'écran, mais moi, je l'ai personnellement. Et sincèrement, il a une capacité énorme. C'est un affaire des comédiens extraordinaires qui ont une composition des rôles extraordinaires. Et là, c'est ce qui est très important. Ken Idil Mlaï Bouchoua Mahanatane, qui m'a dit, ça fait partie du noyau premier. Oui. Il y aura plein d'autres guests, il y aura même un tournée, il y aura pas, d'accord. Donc justement, il y a des déclarations de Hakim Taïdi qui connaissent maintenant les médias, les semaines, les fêtes aussi, donner une dimension internationale à la série. Donc c'est quoi l'importance de Hakim? Non, c'est pas la série qu'on a fait, donner une dimension internationale à nos produits. Il y a des produits comme Jouzou, Inch'Allah, Jouzou Shahad. On a ce que Hakim, on dit des produits. Bah là qui joue sur une télé hollandaise parce qu'on est en négociation par exemple à la semaine juste l'inspecteur fait une télé hollandaise créée ou la doublée, ça c'est on travaille à l'éra technique parce que on a une culture, on est trop maqdouch, mais je pense que c'est pas compliqué avec même la langage t'as parce que la culture ça fait aussi le langage, la façon d'être et tout. Si on fait une nas chouf là, et ils se disent c'est bien, on peut voir des Algériens, il y a bien des Algériens, on dort comme eux, là ça c'est déjà bien. Bah parce qu'au final Adou Chnef il y a 2020 et 2021 avec la Corée du Sud par exemple là, donc très rapidement et les séries coréennes ou là où les plus vues depuis déjà quelques mois donc à les plateformes de streaming, alors que l'alam ma kanch mouel fait taqafa ma kanch mouel fait la langue etc. Alors qu'on voit l'humain, même la morphologie, quel est le واحد شوف des acteurs asiatiques et que non c'est le problème. Il y a deux choses. Ce qu'on cherche, c'est créer une dynamique qui est la soit au cinéma, soit au l'horreur. Mais le problème de Kalaz, c'est vraiment que nous ne sommes pas. Parce que la Corée du Sud, c'est qu'il y a une volonté réelle et ça a propagé leur culture parce qu'il y a une volonté réelle. Il y a un engagement de plusieurs entités qui ont fait que bah, je l'ai raconté à ce niveau. Et à la création d'une industrie, toute une industrie. Tu trouves un old boy, tu vois, les films qui ont marché. Il y a un travail. C'était toute une politique.
et qui a fait que qui m'a de l'Iran oui, oui. qui a fait qu'il y a plein de réalisateurs et d'idées de et avec la concurrence binatom la concurrence de qualité il y a dire la culture coréenne ce qu'on cherche donc hein, c'est la même chose fait on aimerait bien que on aimerait bien que qu'on ait une dynamique réelle avec une concurrence loyale et travailler tous dans le bon sens parce que mais nous quand par exemple Mozart a mis Khorjouhdo ça va pas faire une, quelque chose à la culture algérienne mais nous quand on a plein de gens les forts ou neuf sous binatnan le niveau binatnan là on arrivera à propager la culture talent parce que tout simplement il faut qu'on faut vraiment on pense d'une façon stratégique il faut pas qu'on pense d'une façon Ramadan à un tournée oui. parce que là on pourra jamais faire de la qualité en faisant juste un travail très raccable rapidement pour Ramadan il faut que vraiment là par exemple tous les produits pour Ramadan Mazal Mabdouch oui tu vois presque un feuilleton ou la deux libdaou mais tous les produits donc on peut s'imaginer belak les résultats mais avec nous entre guillemets bâclés correct mais tu n'auras jamais la qualité voilà. les Coréens qui travaillent avec donc par exemple Netflix a mis donc Hadlam 2022 500 millions de dollars oui. pour la Corée du Sud voilà. parce que ils ont compris les ça c'était le Mexique oui. les Khaljou Osmo McDonald gaffe américain qui m'a Osmo Alfonso Cuarón oui. ou la Guillermo del Toro ou la Osmo Alejandro Inarritu et plein et ça fait que il y a machin avec Balk c'est qui m'a fait Iran qui m'a c'était un truc tu as travaillé tu as l'infrastructure d'accord par exemple au cinéma on a besoin de faire des salles de faire des multiplex et d'avoir une vie dans le cinéma la télévision aussi on a besoin par exemple de travailler par exemple sur des projets de pour l'année prochaine de travailler bien d'élargir la grille et d'aller en dehors de Ramadan oui justement l'année prochaine je parle pas de Ramadan il faut oublier Ramadan c'est ça. Travailler sur l'année et là il faut que même les sponsors et il faut tout un travail c'est pas un travail t'as deux dates mais deux dates ça marche il faut vraiment même Yed Maryam ça ah voilà Yed Maryam tu drop شفت Yed Maryam non mais ça marche non mais c'est le film ou شنو كان واحد معنا عنده يد مريم الى لازم نوريك يدوب نو ما سمعتش الو نعاودوا نوليو الانسبكتور طاهر نهضروا على حاجه سي احنا كما قلنا دونك سيتي اون ساغا اللي كانت راحت من 1967 باردون حتى 1978 دونك سي ا بوبري هذه هي لا بيريود وين طالت لا ساغا سينيماتوغرافيك تاع الانسبكتور دونك اسكو في لونيفر تاع الانسبكتور كاين حوايج اللي ما يتوالموش دوكا مع 2021 اسكو كاين حوايج اللي فولونتيرمون هذاك هنا نحيوهم من الهومور ولا من لونيفير ولا من البيرسوناج تاع الانسبكتور نو جو بونس با ما كاش فايس بلاكس نو جو بونس با او كونترير جو بونس كو قلت لك الانسبكتور اون لوي ميم سي كلكان كي تري ايدونتيتي تاع عنده اون ايدونتيتي تري كلير تري الجزائريان بلاكس او كونترير جو بونس كو مو جو بونس كو لي زاني 70 ايتي لي زاني وين كان فريمون ديك لوفرتور ديسبلي وين كان l'épanouissement dans la société et ce qu'on cherche c'est ça avec l'épanouissement inchallah d'accord mais qu'est-ce qu'il y aura pas d'autocensure comparé les films non je pense pas mais احنا دوك راك تعرف انت لا تيلي الجزائريه il y a des trucs on va dire mais là on est des artistes aussi enfin on va pas ni gêner les gens on dit je حاجه اللي تجيني الناس ولا تخمط نوض من الطابله في رمضان parce que j'ai toujours fait ça dans les produits تاعي je respecte tout le comme يقولوا toutes les visions l'autre mais tiens, on est des artistes on est des gens les... il s'agit de taquiner chouïa les préjugés tels on fait les choses qu'on voit normal à notre avis après c'est à chacun de juger mais j'ai fait plein de produits et jamais ma carrière n'a des produits où j'étais censuré ou la gagne problème j'étais dérangé de la famille algérienne parce qu'on travaille pour la famille oui. parce qu'on a le but là c'est de la famille t'as tout lit où elle veut voir elle veut là c'est pas il y a du chauffe au bol que juste un produit avec tout mais t'as par exemple les femmes ils chauffent avec le produit t'as on veut revenir à la discussion t'as par exemple qui m'a connu bouclier après t'as le cinéma qu'on a chauffé film t'as brisé le bouclier t'as le tabdar alors ce qui fait on veut revenir même on veut revenir à ça on veut faire parce que sans le public maintenant je ne ferai rien si le public il veut voir et il s'intéresse réellement et il a du boulot le choc dire après tu vois le cinéma on peut être plus libre bien sûr la télévision en tout cas on n'est pas aussi libre qu'un cinéma sur le plan créatif ou là sur le plan on va dire vision épanouissement
دوك لو كان نهضروا justement على هذا لو retour تاع الانسبكتور تاع العرب راح يكون sur une série de 25 épisodes هكذا c'est prévu pour 25 épisodes de 20 minutes 20 minutes par épisode donc وين راهو لاحق البروجي اكтуаل واش يعني وين رانا يعني في في لا في لا في لا تايم لاين تاع البروجي وين رانا لاحق في لا تايم لاين تاع البروجي رانا في bon on a négocié ma chaîne normalement c'est dans la très bonne voie voilà normalement c'est bon on est en train de surtout c'est avoir le budget on a chauffé les sponsors et je pense que ça va on est dans 50% d'accord on a على بالنا بلي تعاملت مع التلفزيون الجزائري pendant deux saisons تاع تيموشا donc ça va être un changement de cap par rapport à l'Hachi sûrement D'accord. Ok. Donc on a rien à la benne. Au moins, bli, ça va aller vers une chaîne privée fi hadlam. Donc, où est le pourquoi le choix hada? Non, on n'a pas. On a, comme on dit, on a pas choisi. On a musayyarin. Alors, ce qui fait, on n'est pas décideur de trucs. On voit les chaînes qui sont intéressées. Et on voit si y a un intérêt d'une chaîne bayna, on a l'intérêt de la main d'une chaîne privée. C'est pour ça qu'on va aller vers une chaîne. Mais sinon, il y a une autre partie de la distribution de la série c'est les plateformes de streaming. Donc, est-ce que on a vu l'inspecteur Taher ou la nouvelle version de l'inspecteur Taher fait une plateforme de streaming internationale disponible en vision, etc. C'est possible, c'est très possible. Parce que nous avons eu Hakim et une négociation avec la chaîne hollandaise. C'est possible qu'ils prennent l'inspecteur. C'est possible. Il y a une possibilité de 20-30% balak. Mais il y a une possibilité parce que c'est un langage différent, un style différent parce que le style est complètement différent. Parce que l'humour Flan Hollande par exemple n'est pas le même humour Gafetzer. Et là, c'est ça, c'est propager cette culture d'humour algérien, de donner une idée sur un humour différent parce que chaque pays, chaque culture a un humour différent et c'est très important. Pour les plateformes, je pense que oui, qu'il y a une possibilité. Il y a même à la chaîne, ils ont des contacts par rapport à une plateforme, je pense que c'est possible, oui. Local ou international ? Non, international. International, d'accord. Donc le cas Nahdrou aussi par rapport à ça, c'est qu'au final, en général, les concepts de séries de comédie, Mdairin, Beshirohu, Fouk, Saison Wahda. Est-ce que Melduka a une vision par rapport à ça? Est-ce que Raktouf Hedeshi, justement, qui m'a dit que l'inspecteur y voyageait, Hedmara Hollande, la prochaine fois, un autre pays, ou là, est-ce que véritablement c'est. La prochaine fois, ça va être fort possible la Chine. D'accord. Parce qu'on va découvrir une culture qui est très importante pour le public. اللي هي لا شين اوكي ما حنا ما نعرفوهاش شو عم يخدموا معنا لي شينوا مي ما نعرفوهمش داكور ميم هما ما يعرفوناش مليح سي دو سويت سي كولابوري بالك افيك سا ما اون بونس افيك حكيم بوك بليس على شين داكور دونك لا فيزيون رايحه بور بليس دون سيزون وي سا تيرميني على فان فير اي فون لو جو اي فون شوازير لا شين في الدوزيام ستاج كيما نقولوا دو جو D'accord. Sinon, où sont les gens, donc à la benne d'appliquer Hakim Daridia, qu'on a déjà, on a le rôle de la Penti Aydan, donc à la benne déjà, on a le casting de ce côté-là, où sont les gens qui, pour l'instant, sont autour du projet et à la spectateur. On a parlé par exemple à Hassan Kishash, on a parlé à des gens, donc on a des accords. Mais on ne peut pas, je veux dire, qu'on est réel. Le problème, c'est la production de l'architecte à l'Hamidoul, on n'a pas l'assurance de la prod. Si on a par exemple une assurance de production, on aurait donc des comptes à la main des gens. Exact. ما نقدوش احنا نديرو دي كونتر مع الناس سيرتو دي كوميديان محترمين سونك ما عندناش ان بيدجي تسمى باين يعني ما تكونش سور 100% باللي تقدر تدير ماكش عندك ان كونترا مع هيشان حنا هذا هو المشكل في الدار علاش قلت لك باغ اكزومبل سيتو ان كونترا باغ اكزومبل على بالك بلي حد دير لا سيري باغ اكزومبل تيل دات لا تو ابلي لي جون تعطي لهم سيناريو تو با لور دوني سيناريو دونك انت ماكش حتى ما يقراش هو سيد بلا ما يكون على بالو راح يخدم ولا لا سي با بروفيسيونيل دو نوتر بار Dans la manas bzaf qui sont très connus et qui ont donné leur accord de principe, mais on peut pas dire leur nom parce que pour l'instant, je pense s'il n'y a pas de contrat, je suis quelqu'un qui aime parler du métier, faire une déontologie, faire khidma, tout un truc à préparer, quelqu'un contrat, parce que l'accord s'il n'est pas signé, pour moi c'est pas un accord. Mais Lucan, est-ce qu'il va y avoir des clins d'œil dans le plot justement de la série? Est-ce que Khamemtou, le déclin de justement la saga de cinéma ou les anciens acteurs de l'inspecteur là? Oui, sûrement. Mais même le personnage. Je dirais les sagas, même le clin d'œil actuel, tu as des trucs actuels. Ah non. Ouais. D'accord. C'est possible. Même la chaîne, elle veut des trucs.
elle veut des clins d'œil sur les le contemporain. Voilà. Mais Lucan, la saga cinématographique justement d'un spectateur, puisque tout vient de là, le personnage vient de là, l'esprit vient de là. Où est le secret d'aller vacances à l'inspecteur Tahar, où est-ce qu'il sort à ce point du lot? Je pense que c'est l'authenticité qui est le timchi. Sauf qu'il est authentique, qu'on a une chose personnelle et tu la gardes, tu ne vas pas essayer de le changer, t'adapter par exemple par rapport à l'animal international ou là par rapport à quelque chose. Oui. C'est ça qui a fait que le spectateur n'a pas, parce que le spectateur, il a une chose très algérienne. Très authentique, et c'est ça qui est resté en fait, très simple. Parce que l'humour, il ne faut pas compliquer, ni la mise en scène, ni il faut aller vraiment vers les choses simples, le jeu d'acteur, et les dialogues. Un domaine essentiel, une scénario humoristique par exemple, qui m'a dit par exemple, il ne faut pas jouer, il ne faut pas jouer le riche quand tu n'as pas le sou, mais il ne faut pas jouer le speedball quand tu n'as pas l'énergie de ça. Enfin, c'est pas dans une série dramatique. C'est quelque chose qui respecte la simplicité. Il faut aller dans le simple. L'humour, c'est comme par exemple, les gens qui ont resté l'histoire, Chaplin, oui. Tu vois, Mr. Bean, par exemple, Buster Keaton, oui. Tu vois, ils sont toujours références. L'âge, parce que tout simplement, ils ont travaillé sur l'humour, sur la base. Et le... c'est ça qui a compris l'inspecteur, à mon avis. Voilà. Donc, c'est surtout ça, c'est un humour qui peut parler au plus grand nombre, c'est pas un humour de niche, c'est pas un humour. L'histoire des références populaires, les meilleurs mouches. Non, je pense qu'on a travaillé sur la pop culture algérienne, gars. C'est toute la pop culture algérienne qu'elle est là, qu'elle existe. Mais qu'on va juste signaler qu'il y a une pop culture algérienne, qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans tous les trucs, dans le hayat, la calligraphie, les accents de chacun, qu'il y a une pop culture algérienne, c'est très important. دوكا اليوم نتاع على بالك بلي على بالك وين راهو رايح لو سيناريو على بالك وين راهم رايحين وين رايح لومور و فينال تاع لا فيتور سيري هذيا اسكو من دوك راك تشوف في راسك بلي كاين دي ريبليك تاع لا سيري اللي رايحين يوليو كولت تو سامبل سيغمون ا مون افي افيك حكيم فريمون il travaille bien l'inspecteur. Alors je pense qu'il va donner une nouvelle vie l'inspecteur. D'accord. Et Fodil il est extraordinaire. Moi sincèrement c'est un acteur tellement il compose bien, tellement il joue bien. Je pense que c'est un comédien extraordinaire. Il m'a dirigé bien le truc. Il n'a pas été bien dirigé certains trucs. Et je pense qu'il a un talent fou. Et Idir Biraibou, je viens de découvrir aussi. C'est des acteurs d'Irmana. Oui. On est un réalisateur. Et maintenant, tu as le fou, je viens. Là, c'était déjà le découvert. On va travailler sur les répliques. Parce qu'une série sans réplique, qui m'a fait les mots, ça. S'il n'y a pas de détails, il y a des détails de réplique. Il y a les running gags, ça c'est un truc qui est très important. Les petites répliques, les outdoom, très souvent, certains personnages, une série humoristique, les voulaient un petit peu le cacher. Et puis, il y a les répliques cultes, ou les moments cultes, les marahines, les Algériens pendant longtemps. Qui m'a fait le spectacle, qui a des moments cultes, les khadour, ou qui a des choses, c'est moi, des phrases à la spectacle, en fait. D'accord. J'espère arriver à ce niveau. Parce que. Parce que c'est une icône. On va essayer tout le maximum. Je l'ai une partie de cette grandeur de l'inspecteur. Parce que quel que soit X, on ne jamais l'a quoi. Parce que c'est ça au final. Parce que le défi, c'est que les gens qui ont l'inspecteur Tahar, pour l'instant, ils sont avec. Mais après, la légende de l'inspecteur Tahar, il faudra qu'une nouvelle génération soit le relais de la légende ou de le personnage. Et c'est ça, justement, c'est le côté de l'inspecteur qu'il faudra séduire. Sincèrement, dans toute ma vision, je vise le jeune, pour le calage. Parce que je crois que les jeunes ont mal l'énergie du pays. Le bois qui va allumer l'énergie, tu vois, c'est ça le plus important. C'est pour les jeunes. Même pour la révolution, si je fais un film qui est à la révolution, oui. J'aimerais bien viser les jeunes parce que c'est pas le but. C'est rendre par exemple Ben Boulaïd ou une icône. Parce que c'est une grande icône, mais l'Aoudourdjah, c'est le plan image, c'est le but. L'inspecteur Tahar, c'est quelqu'un qui a le fond, mais il faut que je tout à ça. Oui. C'est juste on va dire une lumière, je suis chauffeur de la salle. Les jeunes, ils ont le crime tout à ça, ils ont la pop culture en général. Et on va juste donner une petite étincelle, et d'autres gens vont mixer, ou la vont sampler, ou la vont travailler encore mieux, oui. Et travailler sur d'autres icônes, et travailler sur
la grande culture algérienne, les quintes existantes, l'INSEO Hadnas, et la refaire vivre, par exemple, même qui vient de Kawis Rafla Musique, il a actuellement marqué. C'est ma frémité, oui, là, là, c'est le Chiraljenia. Chiraljenia mixé, tu vois, c'est bien, c'est très bien. Tu as une culture, tu as une chanson très vieille, tu as très mal, et ça donne quelque chose de nouveau. Et ça, c'est actuel, c'est tendance, et c'est le but. C'est justement ça. Et donc, le c'est pour ça que tu as un jeu, en fait. C'est pour ça que tu as un jeu VR, c'est pour ça que tu as ça, qui est très actuel. Par exemple, un jeune, du cas, il va pas. Dans un truc, monde virtuel, on est tous avec addict de nos téléphones, de nos trucs. Et un jeune, les gamers par exemple, est addict de ça. C'est-à-dire que les émiconos, des éléments scénographiques ou la cinématographique qui parlent directement de la génération Hadi, c'est en fait, c'est un couloir ou là, c'est une sorte de fenêtre vers. Je t'ai montré une séquence par exemple, je te fais un blé, ça te parle à toi plus que, bah, là, que ça me parle à moi ou là ça me parle à toi. Absolument. Le but, si on n'est pas actuel, ça sert à rien de faire une copie de l'inspecteur. On va s'inspirer de l'humour de l'inspecteur, de l'identité de l'inspecteur, de la culture de l'inspecteur, mais pas de l'environnement de l'inspecteur. Parce que l'environnement des années 70 n'est plus le même environnement de l'énergie. En fait. C'est tout. Il faut être actualisé dans la série, c'est juste ça. Mais je pense qu'on ne pourra jamais, sincèrement, arriver au niveau de l'inspecteur. On va juste lui rendre hommage, à mon avis. Et on sera très content si on arrive à être accepté et truc par le public, mais dire qu'on n'est jamais l'inspecteur, parce que l'inspecteur, il est unique. Moi, je vais être l'inspecteur, je cache. Mais justement, que ce soit le côté de Hakim Dardia, que ce soit le côté de Afoudi Lassoun, que ce soit le côté de il faut énormément de courage pour attaquer un projet Hakim Hadaya, parce qu'effectivement, il faudra rendre hommage le personnage Hadaya. Donc, est-ce que Kain, pour chacun de vous, des craintes ou des petits éléments où il y a vraiment avec la peur de commettre un faux pas? Par exemple, le bar qu'on a fait, même si c'est dans le qui est fait, mais le bar qu'on a fait, on a fait à 2h du matin à travers les détails. Parce que je pense, si on n'a pas de crainte, on ne peut pas faire quelque chose de bien, à mon avis. Et là, je suis quelqu'un qui a dit le track tout le temps. Hakim aussi, qui donne le teaser, on s'autocritiquait tellement que, donc, à chaque fois, on s'autocritique. C'est trop long d'arbre en quelque sorte, mais c'est pour le bien, parce qu'on veut arriver à un résultat le plus proche, le plus bien, le plus parfait possible. Moi, j'espère, en tout cas, on a pour le résultat bien, mais on a tous des craintes. Vraiment, parce que Anakir Ali Hakim, dit l'inspecteur, j'étais réticent mal. C'est grâce à lui, parce que Wally, vraiment, il a insisté. Kirdem Latizar, j'ai vu, il s'est ok, on peut le faire, on peut le faire. Et donc, on va s'améliorer encore plus, plus, travailler plus. Et c'était un test pour nous, déjà, pour nous tous, travailler ensemble et tout. Adel Lidana. Et je pense que Hakim, il est très capable de faire ça. C'est un très bon comédien. Il est très connu en Hollande. Il est signé à Abak, c'est Kim Shiftalek, il est sur le Mahanda. Des fois, à chaque fois, il y a ça. Il y a un petit côté autobiographique. Le personnage, justement, les Khiertot, la personne qui est tellement aime l'inspecteur Tahek, elle a toujours rêvé d'interpréter le personnage. Oui, c'est exactement ça. En fait, Hakim, il est toujours. Il aime, c'est un fan de l'inspecteur. C'est quelqu'un qui aime l'inspecteur. Moi, je suis dit parce que je dit l'Afsa, tu me parce que je dit, ok, il y a la Mouja ou il dit l'Afsa. Non. Hakim, ce qui est bien chez lui, c'est un honnête comment on l'appelle, artiste. C'est un artiste réel, c'est pas un artiste il projet باش يخدم. Non, c'est quelqu'un qui يخدم بزاف لهونود. Il a une somme كبيره في لهونود, il est معروف بزاف. Il a fait 25 ans télé, il fait des spectacles, il touche bien tout le temps, il est booké tout le temps, il a des spectacles tout le temps. Et il يخدم théâtre, il يخدم dans film, on a produit un film تاعو باش يشتغل le kit d'Alger, c'est un court-métrage. Et là, il va faire une production d'un long métrage. Il va faire réaliser un nouveau long métrage sur un Van Gogh aussi. C'est un personnage de Van Gogh. Et c'est quelqu'un qui travaille tout le temps, qui n'arrête pas. Voilà. Il a une énergie énorme. C'est ce qui me plaît, Hakim. C'est pour ça qu'il habite Nardouma. C'est ça. Et Andou a dit que l'envie de redonner au mythe Hapo. Non, il croit réellement. Il aime beaucoup. C'est un fan. C'est moi-même, ouais. Donc, mais quand je mets un tige le haqq ou le spectateur, il va être déçu normalement parce que moi, il aime le spectateur. Il aime beaucoup tellement que j'ai partagé l'amour. Il aime beaucoup comme tout le monde, comme des extraits ou là, des films que l'on chauffe en homme, ou là, quelque chose qui te reste dans la mémoire. Mais quel est le côté de la passion avec il est très passionné. Sincèrement, j'ai cru, quand il a commencé à jouer, j'ai cru que c'est vraiment, on peut faire quelque chose. On peut. Pas pour nous, pour la série, pour un projet d'Almda, non, mais pour la culture en général algérienne.
et dire why not, ok, propager cette culture qui m'a donné, par exemple, quand la fille de Marim, qui dit oui. Je travaille beaucoup sur la culture Touareg, par exemple, et oui. Travaille sur la légende Touareg, sur la légende Tinhinan et tout, et dire que on est lié quelque part à de la jeune génération, elle est liée à une ancienne histoire qui est là, qui dans la terre, dans le sol, dans l'air, elle est là, oui. Elle existe, il faut juste la montrer. Ce qu'on a fait, fille de Marim, ce qu'on va faire toujours, ce inspecteur, et parce que je pense qu'on a une grande culture, et elle n'est pas, on est très au mezlobin, rapidement, on veut juste travailler pour travailler. Là, on travaille déjà pour s'amuser, on travaille pour un public, et on travaille pour des gens, la mémoire, la subconscient. Je pense que les séries de l'homme, même que tu fais ça, il est resté quelque part sur le continent. Il y a Temusha qui a touché quelque part. Bah, Temusha, elle a touché beaucoup de gens. Et puis, oui, voilà, mais ça, j'étais très. On a fait avec des moyens dérisoires et on a été éjecté presque. On n'a pas eu ni prime time ni rien. C'était une guerre. Il faut parler d'un parcours, c'est très difficile de travailler. Oui. Dans un environnement, parce que s'il n'y a pas d'environnement, mais le manach, le moulin, le trimbe, peut-être que un vrai environnement adéquat, là tu vas avoir la même plante, mais d'une façon différente, elle va avoir des meilleures fleurs. Si c'est un fruitier, elle va avoir, tu connais des fruits, c'est ça. Bien sûr. Oui. المناخ هو الصح شوف المناخ اللي تخدم فيه هو اللي يخليك تيبانوي تخدم حاجه مليحه وتطلع اشاك فوا بروغريسي سي تا با ان بروغريسيون لوجيك في الطون tu vas être déçu, tu vas avoir des déceptions comme artiste نحكي عليها c'est important pour vous نحكي بلي هنا المشكل تاعنا c'est ça en fait on fait des choses et on n'est pas épanoui alors chez ça tu lis la lire la case départ et quand tu reviens à chaque fois à la case départ à un moment derrière tu es pas créatif tu es juste quelqu'un qui exécute juste pour travailler, tu lis au lieu d'être artiste et créatif, tu lis quelqu'un qui travaille. Mais finalement, l'expérience avec Temusha, tu as donné l'énergie que tu as eu pour attaquer des projets comme ça? Pas donné, mais pour une période limitée, parce que après, tu as tout la réalité, tu as tout le temps. C'est ça, à chaque fois que je parle comme ça, à travers votre onde ou vos ondes qui m'écoulent, parce que il faut que nous changeons le way. Parce que les gens, ils font la vérité. À l'âge, on n'est pas capable de faire des grands produits de qualité. Parce qu'on n'a pas un environnement adéquat. Parce que donc, les gens gagnent le mot, mais je connais un environnement adéquat. Mais le mot dans le bon sens. Parce que même la concurrence, il ne faut pas qu'elle soit horizontale, il faut qu'elle soit verticale. Dans la même ligne. Oui, effectivement. Oui. Parce que quand tu es comme ça, tu restes comme ça, tu ne vas pas avancer. Hana, on est des gens. Je cache besoin des gens lire mieux et de faire bien et je regarde dans le truc on a de faire place là on n'avance pas et il faut que donc comment progresser la culture algérienne à travers le maximum d'ouverture d'esprit maximum d'ouverture de tout et vraiment arriver à une culture la culture est très importante dire les chauffe les qui mettent les Coréens en 10 ans ils sont devenus presque number 1, ils ont eu l'Oscar. L'exemple à la Corée, qu'un exemple à la Turquie, Tanit, elle est très présente actuellement les plateformes. C'est grave qu'un chauffe, par exemple, grande chose, une grande partie de l'histoire algérienne, qui est racontée que par les Turcs. Maintenant, je suis une version à nous, c'est pas normal. Bah, en tout cas, on espère que Kulhedji, mais après, c'est quoi le mouchkil véritablement? Est-ce que c'est les volontés? T'as les créateurs, t'as les réalisateurs, t'as les producteurs, c'est le manque de moyens, qu'est-ce que c'est exactement? Non, t'as l'environnement, parce que t'es un producteur, tu vas travailler comment? Soit producteur télé, soit producteur cinéma. Oui. Maintenant, je traite même si t'as pas de fond de travail. Par exemple, quelqu'un de télévision, soit des chaînes, soit sponsor. Les chaînes sponsors, ils jouent à Ramadan. Oui. Alors tu es conditionné par Ramadan. Ou que tu es dans la course, dans la réalité. Même tu as dans un projet là, avant une année par Ramadan, mais je n'en ai pas en réel. Tu as toujours trois de mille à la chose. On noie les choses beaucoup. On fait des. C'est très mou. Alors tu restes avec toi, mais avec toi, la carrière. Et jusqu'à une date, il déclenche rapidement et tu es obligé de donner de l'adrénaline à fond pour arriver, mais jamais, même tu as toujours des lacunes quelque part. Et c'est pour ça qu'on n'est pas
ماشي فيزيونير اون دون با لو طون دو ترافاي ا لاز هذا ما كان سي سي كاين ان اسبوار دو كوم سيركويتي كل هذا الشيء بور بور الانسبكتور طاهر كاين اسبوار بور تو كيما الماكله دوك تعرف لي فام يعرفوا كيما كيما لا ميم لي زومبي طيبوا مليح انا ما نطيبش مليح الوغ لي شي موفي كوزيني الوغ كي وسمو تهضر على زعما كي طيب ان افود ولا افود تروك شاك عطا عند الاخر تاع حنا ماشي الانسبكتور كي فا ريفينير لو تروك مي الانسبكتور فا بارتيسيبي كيما دوك عيد مريم باغ اكزومبل. Le but d'Aïd Mariam, ce n'était pas faire un film avec les influenceurs. Ouais, c'était faire revenir la jeunesse dans la salle de cinéma. C'est exactement. Hadawa le but. Alors. Le but, alors, c'est quitter le Babloud. Quand on tourne, par exemple, fait Babloud, tu as avec les jeunes, tu as dit le film. La télévision, tu as dit le cinéma. Tu as dit le cinéma. Tu as dit le cinéma. Oui. Mais tu as dit le cinéma. Jamais je ne suis pas au cinéma. C'est grave. Mais tu as dit une salle de cinéma. C'est ce qu'on cherche. À refaire دخلوا في لا كولتور باسكو راك واعر باش تعاود تدخل الناس العفسه ما يعرفوهاش كاع باش شفنا كوميم يعني رانا نشوفوا اون بوتيت افونسي كي نقولوا اون بوتيت افونسي في 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 العوام الاخرين ديجا بارابور او سينما انترناسيونال اي بارابور او سينما الجزائري دون سونس اون سينما انترناسيونال رانا نشوفوا براتيكمون لي فيلم اون سورتي انترناسيونال حاجه لي دات اي بي بور السينما الجزائري نو كي تشوف انت دي فيلم بارابور لي سورتي انترناسيونال وي اللي تقول لي on a un film, deux films par an. Non, non, bien sûr, là, la hache, le nombre, et puis hache, les espaces où on peut les films, ça manque énormément, bien sûr. Ça a été toujours comme ça. Il y a toujours un film ou deux films algériens qui font un peu le tournée de festival, mais on n'a jamais eu de festival à presque. Bien sûr. Presque. Et ça ne sert à rien. C'est une politique. En fait, on exécute une vision des autres, en quelque partie, pour satisfaire certains. Non, je veux, non, je veux qu'on soit. On propage une vision très algérienne de la chose. Et pour commencer déjà par le public algérien. Parce que nous, on est quelque part payé par ce public. Ce public, il a la chance de travailler, en fait. Si on ne travaille pas pour lui, c'est malhonnête de notre part. Mais au final, c'est ça, c'est que la balance est là, on a dit que les créateurs, les producteurs, et puis, bien sûr, les salles où tout ça peut être exposé. Donc, il faut qu'on ait un chantier, il faut qu'on ait un chantier. J'ai toujours dit, même l'association des producteurs, ou les collègues, ou les réunions pour la loi de cinéma aussi, et tout. Moi, je suis quelqu'un très convaincu, si on n'a pas de salles multiplex, si on n'a pas de privé, qui investissent dans l'art en général, pas que le cinéma, mais l'art. Ils ont une vision artistique des choses, qu'ils investissent dans les salles de cinéma. Il y a des vraies salles. On ne pourra jamais, parce que le fond, j'ai un fond, l'art de le réel. Mm-hmm. Pour faire du cinéma, il faut de l'argent. Et l'argent, on peut l'avoir où ? Indique deux solutions. Soit tu vas trouver une coprode, des fois avec une dictée quelque part du producteur, que j'aime pas là du tout. Soit tu vas trouver de l'argent chez l'État. L'État a un budget limité, il ne peut pas donner à tout le monde des budgets énormes. Ce qui fait, si tu fais un film, par exemple, qui m'a aidé, Marie, si on a par exemple 400 salles, par exemple, on peut dire des deals avec les salles, on le fait, on le produit nous-mêmes, parce qu'on trouvera des sponsors, parce que le sponsor sera intéressé, parce qu'il a une visibilité. La marque est un chef à travers les salles. Mais donc, quand on a un sponsor, on va sponsoriser un film. Et après, je vais donner de l'argent. Oui, c'est tout simplement ça. Pour moi, c'est les salles. Et je crois que tout va venir après. Si on a une demande réelle, tout va venir après. Les gens vont travailler. Il y a une énergie énorme chez les jeunes. C'est une énergie énorme chez les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes, soit dans le sens acteur, mais aussi des jeunes réalisateurs qui sont excellents, des jeunes directeurs photo, des techniciens de talent. Les amis font des vidéos magnifiques, les amis font tout le temps. Mais il faut leur donner une chose pour grandir, pour devenir grand. Il ne faut pas. Parce que les jeunes, il faut vraiment que donc, les jeunes prennent le flambeau. Je pense que ils vont donner de l'énergie et on va apprendre d'eux. C'est pas, on va donner une petite expérience, mais apprendre d'eux à chaque fois. Et c'est ça ce qu'on a fait. On a quelqu'un de jeune, qu'on n'a pas qu'à Wahididi, qu'on a une chance de travailler. Bon, mais là, on n'a pas eu. Donc, ce qu'on fait, par exemple, on a produit un film récemment, Halim Arad, même chez Smatoube. C'est un film autoproduit, à Bala, Mohamed Ben Abdallah, à Sidi Ben Abbas. On a produit maintenant. Donc, on va produire une vidéo pour Karim Oudalaji. Okay. Et on va travailler comme ça. On a une série avec des jeunes, donc à Habidou, une série, on va faire le pilote. Et ils vont réaliser Roma. Hein. Oui. Moi, je suis juste consultant. Et je vais les aider, mais pas Mahdish Dalwa Wahdohar.
Mais c'est ça ce qu'il faut, parce que je crois à leur vision. Et Anna Namel Béham, tu vois. Et ce qu'il faut, c'est qu'on se pousse les uns les autres. Mais à Ounoni, parce qu'Anna, je prends tiens aussi de leur énergie, de leur amour, de leur, tu vois, c'est ça. Bah c'est très bien en tout cas que Ikuno Neskimenta et Himouzahem, pour tendre la paire justement l'aide de la jeunesse Hedia, que ce soit du côté de l'acting, du côté de la réalisation, et puis même du côté du public, hein, parce qu'au final, voilà, avec l'inspecteur Tahar, Taout Medelhom, la chance de redécouvrir un mythe, de redécouvrir une jeunesse, de redécouvrir un personnage, et puis les Houmatani, comme la Hennidouzo, les générations, les Mbed, Kima, ou la certaines générations d'Ero avec la saga cinématographique. En tout cas, c'est ce qu'on espère. C'est grâce à Hakim aussi, c'est grâce à Hakim, parce que c'est en fait le concept de Hakim Talib. Bien sûr. Et Hakim, il a 60 ans. Mais Hakim, il a une énergie énorme d'un jeune de 20 ans. C'est énorme. C'est ça la vie. Et c'est ça l'artiste. Bah, au final, voilà, on a commencé la semaine avec beaucoup de positivité, hein, puisque nous avons un produit qui est impatient à nous chauffer. Et puis, voilà, on souhaite véritablement que ce soit une réussite. Avec la volonté qui est derrière, avec l'énergie qui est derrière, il n'y a pas de doute. Hein, normalement, il ne devrait pas y avoir de doute. La réussite, c'est que les gens s'amusent. Et c'est le but. Propager cette atmosphère de joie, c'est le but. Hein, Mais Inch'Allah, en tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage pour ce qui arrive, parce que la Ben Abliquine, un rush qui est à partir de maintenant. Donc, beaucoup de courage, Inch'Allah. Et puis, voilà, Kamel, le Jomol de Zahiri, il l'encourage. Et puis, il faut donner la chance à toutes les entreprises, à toutes les bonnes volontés. Il faut critiquer. Ça, c'est parce que le problème, tu as la critique, surtout les dernières saisons de Ramadan. Il faudra au moins chouffer des épisodes. Mettre les rochkoum influencés par ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Il faut donner la chance à chaque chose, parce que derrière, il y a de gros efforts, il y a une volonté, il y a une tchmem, il y a une intention. Donc voilà, donc il faudra faire un tour de ce côté-là. Donc là, voilà, on a terminé avec l'inspecteur Tahar, on a terminé avec de belles idées, et puis avec un très beau message, puisque voilà, il veut que Koul Hedchi idose la jeunesse, il veut aussi beaucoup de bien pour le milieu artistique algérien. Et nous aussi, nous avons dit que